Bonjour, it's Marianne, and today in this video I am in the boutique Saint-James in Cherbourg, France, and I'm going to show you some pieces here that would be ideal for Christmas gift. If you're new to my channel, a big welcome to you, and please subscribe and don't forget to click on the little bell in order to receive the video notification. Thank you. Le pull marin, le pull marin femme, et ses boutons sont toujours argent. D'accord. Et alors, il se décline de toute façon, toujours dans les traditionnels. Ouais. Hein, ce sont des petits pulls marin femme, pure laine merino, 100%. Et tous les ans, ils se déclinent avec une couleur de la collection. Comme cette année, on s'était orienté vers les verts et les rouges. On a le pull un peu plus tricolore avec du vert forcément, du vert de la collection. Et ensuite, on est le rouge pavillon de la collection. Ici, vous avez beaucoup de bleu marine et de rouge. Pour moi, ça fait vraiment la tradition Saint-James. Français, bon, on a le bleu blanc rouge naturellement, mais le bleu marine et le rouge vraiment, ça me parle. Ressort, vraiment. Oui, ça ressort. Si oui, on veut parler de Noël, on a aussi ce rouge bleu marine or. Ah oui. Avec ses léopards. Très très beau. Là, les deux léopards sont très beaux. Et vous savez que le drapeau pour Jersey, ce sont les trois léopards. Et en fait, c'est une petite collection capsule qui a fait Saint-James avec Isabelle Balu. On a aussi la robe qui se décline en bleu marine, rouge et or. Très belle aussi. De la même collection capsule. Ça va être au genou, celle-là, ou juste en dessous du genou peut-être. On est régulièrement au genou. Au genou. Voilà. Au genou. Ouais. Si on veut la rendre un petit peu sport chic, on peut y mettre un collant de laine et puis des chaussures à lacets. Voilà. Si on veut la rendre habillée, on lui met une petite chaussure habillée avec un collant. Voilà. Un collant. Des petites idées. Ouais. Ouais. Le col est assez large. On peut mettre... ou bien un petit voulard de soie marine, rouge, rester dans des coordonnées, y joindre un soutien. Voilà. Oui, voilà. Par exemple, je mettrais moi un bleu marine. Ouais. On peut mettre aussi un rouge, mais je préférerais un bleu marine pour que ça respire. Pour rester dans l'ensemble. Ouais. Et ça se garde des années. Ah ben des années, c'est indémodable. C'est l'intemporel. Voilà. Oui, complètement. C'est ça. Ouais. Ouais. On a toujours aussi le pull Normandie. Normandie. Il s'appelle le Normandie. Et donc ça, c'est un pull qui change du pull marin parce qu'on n'a pas les boutons, mais qui a l'esprit du pull marin tout de même. Hein? C'est un pull tube, droit, pure laine mérino dans la même qualité. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas les boutons. Alors, on a ce petit motif intemporel qui aussi s'est fait dans les verts. Parce que justement, on avait cette petite collection. Nous ne sommes pas dans Noël. Le vert sapin et le rouge Noël. Voilà. Très beau. Ils nous ont créé un beau pull de Noël. Ah, ça, c'est très beau aussi. Voilà. Toujours dans l'esprit pull marin, mais sans les boutons. Une coupe droite, facile, qui va à tout le monde. Voilà. Hein? Et ça fait féminin quand même. Et ça fait fleurs. Féminin. Bon, on peut mettre ça à Noël, mais... On a les étoiles de Noël, complètement. Voilà. Mais c'est féminin. Et porter, il est ravissant. Les jeunes qui partent à la montagne, le petit clin d'œil. Voilà. Oui, c'est pas que la mer, parce que moi, quand je pense à Saint-James, je pense à la mer, mais en fait, comme vous avez raison, aussi la montagne. Oui, et puis les pulls d'hiver, les pulls pure laine restent des pulls d'hiver, donc quel que soit l'endroit où on est, on peut porter un pull Saint-James. Voilà. On peut le porter à la mer comme à la montagne, parce que ce sont des pulls pure laine. Ouais. On va suivre notre ligne d'idées parce que finalement, ils ont fait un partenariat cette année avec Pyrenex, qui est une marque que tout le monde connaît de luxe. Dans les Pyrénées, et donc Pyrenex, ils ont fait un très beau modèle avec une main beaucoup plus épaisse. Oui. L'esprit, on le sent, cette matière. Même on le voit même qu'elle est plus épaisse. Oui. Plus épaisse, plus rustique, mais quelle élégance avec son motif. C'est ravissant. Très beau modèle. Oui. Avec un intemporel neige et bleu marine, c'est tout à fait facile et on peut l'accommoder avec plein d'éléments. On peut le faire en relax, ou on peut le faire smart aussi. Ouais.
mais autant avec un jean, avec un beau pantalon bleu marine habillé, un beau pantalon crème, très joli. Ou une jupe aussi. Oui, mais du rouge en bas, c'est magnifique. C'est bien aussi. La doudoune Pyrénex, Saint-James-Pyrénex. Et nous avons, mais pour ça, je crois que la dernière est en vitrine, du blanc, des légumes, de l'écume et du bleu marine. Ça, on voit. Ah oui, c'est du bleu marine. Oui, oui. C'est bien. Regardez ça. J'aime bien aussi la couche rayure, ça fait vraiment Saint-James. Ouais, avec du duvet français. Enfin voilà, mais vraiment des choses. Qualité, ça, qualité, on garde des années. Soft et chaude, ouais, voilà. Donc, celui-ci était assez réussi parce que c'est avec des beaux boutons toujours et une manche. La manche est super. Un manche, absolument. Voilà. C'est l'originalité de ce manteau, c'est la grande manche. Voilà. Super beau bouton aussi. Très, très beau. Voilà, et c'est l'atelier Saint-James qui nous fait ça avec les draps de laine. Mais la doublure, en fait, mais elle est tricotée. Non, vous savez, c'est la matière du... Oui, c'est vrai qu'elle est épaisse. Et, ben, pour donner de la chaleur au manteau. C'est un peu la matière du méridien qu'on connaît, la marinière authentique de chez eux. En fait, cette ampleur de manche donne un effet couture au manteau. Très très beau. Et alors, un effet aussi, on ne remarque pas sur le cintre, mais plus, je ne sais pas si vous réalisez, mais plus court devant, un peu épaté derrière. Voilà. Please let us know if you love this jacket. So it feels really good. This coat is not in the caban, in the traditional style, the one I was wearing when I came in, but this one is more dressy, it's more couture. You can see with the sleeves and also the cut. It's higher at the front than at the back, and it's well cut, well designed, gives you a beautiful shape. It's really soft also. On a des choses un petit peu plus lumineuses, voilà. Qui changent des marines, parce qu'il y a des femmes qui ne portent pas de marine ou qui trouvent ça plus triste, et ça égaye aussi nos hivers. Des tendances d'effets givrés matin d'hiver. Celui-ci, un peu plus long, en gris clair, un gris perlé, très très doux, limite tirant sur les ciels. Mais on n'a pas oublié de faire aussi dans des tons des bleus moins foncés, des bleus plus. Des bleus marines, oui, aussi. Oui. Nous avions aussi ce modèle plus long, le manteau un peu redingote. Un peu redingote, oui. Voilà, oui. Mais dans des bleus cargo qui ne sont pas des bleus marines, des bleus plus. Un peu plus. Très beau aussi, c'est un peu bouclé la maille. Oui. Une laine bouclée, voilà. Ouais. Pour changer des marines, on avait un manteau assez couture. Ouais. Cette couleur. Oh, vert, magnifique. C'était magnifique. En laine bouillie. Donc un peu plus demi-saison, ou des hivers, ou des journées un peu moins froides, on peut mettre la veste zippée. Assez longue d'ailleurs. On peut mettre ça aussi sous un long manteau. Pour le bureau par exemple. Oui, c'est vraiment, c'est très très joli. Un chemisier ou un col roulé, un beau pantalon. Et encore, même ce soit plus avec le mode un peu moins traditionnel, mais moi je trouve que ça vraiment ce serait un intemporel. Ah oui. Parce que la ligne, quand même, c'est toujours simplifié, donc on peut le mettre. On peut faire beaucoup d'options pour les mettre, pour les ensembles. Sur une robe, sur une petite robe noire, sur une robe bleu marine. Une veste à capuche. Très laine. Très fine, oui. Mais en laine biface. C'est-à-dire qu'elle est tricotée bleu marine et vert intérieur. Elle n'est pas réversible, mais par contre, elle a tombé.
Moi, j'aime bien les bifaces comme ça donne. Voilà. Voilà, quand c'est ouvert. Et puis, voilà, et déjà, et puis on a une épaisseur, une oui. main ouais. au produit qualitatif. Hein. C'est des nouveautés de l'hiver avec voilà, la c'est un très très beau modèle, hein, très, très féminin. Ce qui se fait beaucoup en ce moment. Oui, les pulls un peu oversize. Voilà. Hein, ouais. Les pulls voilà. différents. Il est très beau aussi. Ouais, il a de la texture fait. Aussi avec le beau, point. Là. Un beau point, oui. Ouais, très bon point. Et puis, on ne voilà, voit pas partout d'ailleurs. Donc forcément, ce sont des pulls fendus, un peu tuniques, portés un peu en longueur, un peu oversize, mais on trouve du confort. Voilà, avec une chemise dessous, là, oui. ce serait oui, très joli. Je montre le point, là. Mais des belles mailles. Oui. Voilà. Un bon point. Et voilà. Ce que j'aime bien aussi, c'est différent de ce qu'on voit ailleurs. Voilà. Ça, j'aime les petits détails, des fois, qui font une grande différence. Ah ben, complètement. J'aime bien ça aussi. Ouais. Différent, voilà. Les petites touches, apporter une petite touche. On aime bien ça en France, moi, je trouve. Oui. Les petits détails qui sont différents. Oh, oui, oui, complètement. Oh. Des choses où on se sent bien quand le matin a froid. Oui. Oh, oui, c'est vrai, genre pour le cocooning. Oui, cocooning, ou bien voilà. Des longues vestes sont toujours appréciées. Ouais. Ouais. C'est, il est très confortable. On peut vraiment le s'envelopper dedans. So did you see anything that you liked in there? Please let me know what you think of this video or in the pieces that we have shown you today in this video. I'll see you in my next video. Thank you. À bientôt.